par cette remise officielle des équatures des mains du gouverneur de la région du littoral, Clotilde Moncam devient consul honoraire de la République de Namibie à Douala. En vertu du pouvoir que nous sommes conférés, je vous remets les équatures signées par son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État. Un statut synonyme d'espérance dans la coopération entre les deux États. Passons des journées d'amitié Cameroun-Namibie à travers la mise en place d'un forum économique impliquant les opérateurs économiques des deux pays. Le recours à l'expertise namibienne dans les domaines de l'industrie du tourisme, du développement minier ainsi que dans les transports. Bénéficier de l'expertise namibienne, mais aussi lui apporter le savoir-faire camerounais, notamment dans les secteurs éducatifs, économiques et culturels. Le déploiement en Namibie des services financiers et bancaires camerounais. Les échanges d'informations dans les domaines de l'art, de la culture, de l'enseignement supérieur, le sport, la pêche et le commerce. Des missions bien assimilées par le russe élu, laquelle semble déjà avoir le cœur à l'ouvrage, surtout qu'elle pourra compter sur le soutien indéfectible de ses proches. C'est une femme qui est remplie à la tâche, qui est expérimentée et qui est très dynamique. Donc je ne doute pas un seul instant qu'elle remplira donc ses nouvelles fonctions, ses nouvelles tâches de la meilleure des façons. Donc. Satisfaction. Et j'espère que ce sera la hauteur de la tâche qui va être confiée par Née le 23 septembre 1960 à Douala, Clotilde Moncam Salou est mariée et mère de plusieurs enfants. Titulaire d'un Master en Management Orient Comptabilité obtenu à l'Université de Paris Dauphine en 1984, son cursus révèle également un PhD en philosophie en 2022, soutenu avec bravo aux États-Unis, un background académique auquel s'ajoute sa trentaine d'expériences accumulées dans le domaine de l'hôtellerie, une riche carrière qu'il faudra désormais mettre au service de la coopération économique entre le Cameroun et la Namibie, pays d'Afrique subsaharienne de 2,6 millions d'habitants.